En 1118, neuf chevaliers venus d'Occident comparaissent devant Baudouin II, roi de Jérusalem. Ils ont à leur tête Hugues de Pain, un important seigneur champenois, acteur de la première croisade. Les hommes en armure proposent leur service à Baudouin. Ils certifient au monarque que leur déplacement en Terre Sainte n'a pour but que de protéger les pèlerins contre les infidèles, assurer la police des routes qui mènent au lieu saint et la garde du Saint-Sépulcre. Bien qu'il existât déjà un ordre chargé de cette mission, l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Mais qu'à cela ne tienne, le roi les accueille avec une étonnante bienveillance et met, contre toute attente à leur disposition, une aile entière de son palais à l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. Bientôt même, tout le temple est abandonné à la seule occupation des neuf chevaliers. Tout semble se dérouler comme si on avait voulu leur donner cet emplacement, car ils y restent seuls. Que de place pour neuf chevaliers ! Les Templiers étaient nés, ce sont alors les pauvres Chevaliers du Christ, une entreprise religieuse menée par des moyens militaires, ou si l'on préfère, une expédition militaire parée d'une idéologie religieuse. Les chevaliers seront à la fois soldats et moines, avec tout ce que cela sous-entend. Ils installent leur quartier dans les écuries du temple, immense construction dans le soubassement de l'édifice principal, qui pouvait contenir jusqu'à 2000 chevaux. L'histoire officielle des Templiers nous dit que les neuf chevaliers s'appliquèrent longuement à déblayer ces écuries. Mais ne s'agissait-il pas d'une fouille méticuleuse dans un but précis ? Ce commando médiéval ne serait-il pas venu pour découvrir, garder, emporter quelque chose de particulièrement important ? Au cours des 9 années suivantes, les chevaliers n'admettent aucun nouveau membre, à part Hugues, comte de Champagne, l'un des plus riches seigneurs d'Europe qui les rejoindra en 1125. Il est intéressant de signaler qu'Hugues de Champagne avait fait un premier séjour de 4 ans en Terre Sainte en 1104. À son retour, il prend contact avec Étienne Harding, l'abbé de Cîteaux, qui, à partir de ce moment, mit tout son monastère à l'étude minutieuse de textes sacrés hébraïques, faisant même appel à la fine flore des érudits juifs de la région, notamment Rachid de Troyes, grand spécialiste de l'Ancien Testament. Quelle fut la raison de cette soudaine mise en œuvre ? On peut raisonnablement penser qu'Hugues de Champagne avait fait l'acquisition en Palestine d'une série de documents importants, qu'il était le porteur d'une révélation dont la teneur devait être découverte, quitte à faire appel à tous ceux qui, dans la région, chrétiens ou pas, étaient capables d'apporter une aide. Hugues retourne en Palestine pour un court séjour en 1114. À son retour, il offre à Étienne Harding et son ordre de Cîteaux un territoire connu sous le nom de la vallée de l'Absinthe, où sera bâtie l'abbaye de Clairvaux, sous le commandement du jeune et ambitieux Bernard de Fontaine, plus connu sous le nom de Bernard de Clairvaux ou Saint Bernard, neveu du templier André de Montbard et apparenté à Hugues de Pain. En 1125, le puissant Hugues de Champagne répudie sa femme et renie son enfant, tout en renonçant à ses titres et à ses biens, se pliant à l'obligation de pauvreté et de chasteté afin de rejoindre les chevaliers du temple à Jérusalem. Le moins que l'on puisse dire est qu'il était animé d'une solide détermination et que l'enjeu de cet engagement devait être conséquent. Les chevaliers du temple étaient donc maintenant censés défendre à 10 les routes de la Palestine. Est-ce réaliste ? Fait étonnant, on ne trouve leurs traces nulle part, dans aucun texte. Aucun chroniqueur de l'époque, même Fouché de Chartres, le chroniqueur officiel du roi de Jérusalem, ne fait mention des chevaliers du temple, ni la moindre allusion à leur action protectrice vis-à-vis des pèlerins, ni même à leur présence dans l'entourage du roi. Ce n'est que 50 ans plus tard que Guillaume de Tyr couchera leur histoire par écrit. Un étrange silence officiel entoure donc les activités de l'ordre pendant les premiers temps de son existence. En 1127, alors que l'ordre s'est ouvert au recrutement et tendait à devenir une force considérable au Moyen-Orient et dans toute l'Europe, Hugues de Pain, accompagné de 5 autres chevaliers, prennent la route de l'Occident, où ils sont accueillis triomphalement, notamment à Rome où ils vont solliciter le soutien du pape. Cela fut-il l'occasion pour les chevaliers de négocier leur silence sur un secret ou une révélation ? Toujours est-il qu'en 1129, le pape Honorius II organise un concile dans la ville champenoise de Troyes, durant lequel les Templiers seront officiellement reconnus comme membres d'un ordre militaire et religieux. Hugues de Pain y reçoit le titre de grand maître, et Bernard de Clairvaux y définit les statuts du nouvel ordre et sa règle, inspirée de celle des cisterciens. Les Templiers sont tenus de faire vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils doivent porter les cheveux courts mais la barbe longue. L'habit blanc leur est imposé, viendra ensuite la cape ornée d'une croix.
Lors du concile de Troyes, leur hiérarchie détaillée est également mise en place et leur comportement au combat est défini. Le Templier devra combattre jusqu'à la mort. S'il est fait prisonnier, il ne pourra donner comme rançon que son arme et sa ceinture. La retraite du combat est interdite, sauf si le nombre d'assaillants est supérieur à 3. Le retour en Europe des chevaliers du Temple, célébrés comme de véritables héros, bien que n'ayant participé à aucune bataille, recevant les honneurs du pape sous la tutelle exclusive duquel ils seront placés en 1139, s'affranchissant de ce fait du pouvoir royal, coïncide étonnamment avec l'essor de l'art gothique en Occident, et particulièrement en France. Bien que le principe de la croisée d'ogives ait été effleuré par des maîtres d'œuvre normands et des architectes lombards au milieu du XIe siècle, on estime que l'essor du style gothique débute avec la construction de la basilique de Saint-Denis et la cathédrale de Sens en 1135. Le gothique ne succède pas au roman. Roman et gothique ont existé en même temps. Les constructeurs romans continuent à faire du roman pendant que les constructeurs gothiques faisaient du gothique. Les deux écoles ne se mélangent pas, leurs principes sont aux antipodes. Quelques années seulement après le retour des Templiers en France, les cathédrales abbatiales et basiliques gothiques commencent donc à fleurir sur le territoire et on estime que tous les plus importants édifices religieux que comporte la France ont été construits en 300 ans seulement. L'apparition soudaine du style gothique, mettant en exergue des principes physiques novateurs intimement liés aux lois de l'univers, n'est-elle pas à mettre en relation avec une partie de la mission secrète des neuf chevaliers ayant œuvré, à l'abri des regards, dans l'ancien temple de Salomon mis entièrement à leur disposition? Or, d'après la tradition, que fut caché dans les entrailles du temple? Eh bien exactement ce pourquoi il fut bâti, l'Arche d'Alliance. L'Arche était plus qu'un simple coffre. Elle est décrite dans l'Ancien Testament comme une véritable arme de destruction massive, mais aussi comme un moyen de communication entre le peuple élu et son Elohim, Yahvé. Les sources bibliques ou archaïques prêtent à l'arche des pouvoirs extraordinaires. Quand elle était active, elle brillait de feu et de lumière. Elle émettait de la nuée, une sorte de fumée. Il était impossible de s'approcher de l'arche sans se vêtir de matériaux isolants, sous peine de mourir foudroyé. Le coffre sacré était à porter sur les champs de bataille, donnant invariablement la victoire aux Hébreux. C'est ainsi que se déroula la majeure partie de la conquête de la Terre Promise. À Jéricho, l'arme divine provoqua la destruction de la muraille d'enceinte de la ville. Et lorsque les Israélites eurent besoin de traverser le Jourdain, les porteurs de l'arche s'approchèrent du fleuve. Dès qu'ils eurent les pieds dans l'eau, celle-ci s'arrêta de s'écouler et le peuple put franchir le fleuve à sec. L'Arche d'Alliance n'était pas un objet magique, mais bien un artefact technologique, électrique, voire nucléaire. On perd sa trace à une date comprise entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère. Mais on sait que David la fit transporter à Jérusalem, dans sa demeure de Sion, et qu'ensuite son fils Salomon fera appel au roi de Tyr, Hiram, pour édifier une demeure digne de l'accueillir. Le temple construit, Salomon fit mettre l'Arche dans le Saint des Saints. La dernière mention directe faite de l'Arche dans les livres sacrés se trouve dans le Livre des Rois. Alors Salomon dit, « L'Éternel a déclaré qu'il habiterait dans l'obscurité. J'ai achevé de bâtir une maison qui sera ta résidence, ô Dieu, une demeure où tu habiteras éternellement. » L'arche fut entreposée dans l'obscurité, si profondément enfouie sous le temple que les assaillants de Jérusalem ne purent jamais la dérober. Les chevaliers du Temple ne sont pas apparus comme par magie en 1118. On peut croire que l'idée de la formation de cet ordre, ce commando missionné, fut le fruit d'une longue organisation remontant à une date proche de 1104, lorsque Hugues de Champagne effectua son premier voyage en Palestine et en ramena des documents qu'il s'empressa de faire traduire par les érudits juifs de la région. Louis Charpentier, auteur des deux excellents livres « Les mystères de la cathédrale de Chartres » et « Les mystères templiers », nous apprend que ces tables de la loi ne contenaient pas les 10 commandements, qui étaient inhérents à Moïse. Les tables de pierre contenues dans l'arche contenaient la loi divine, un moyen de connaissance et donc de puissance. Les tables du verbe, de la raison, de la mesure, du rapport et du nombre. L'Éternel dit dans la Genèse « J'ai fait tout avec nombre, avec mesure et avec poids ». Dans le langage actuel, on dirait des tables de la loi que ce sont les tables de l'équation de l'univers. Posséder les tables de la loi, c'est donc avoir la possibilité d'accès à la connaissance de la grande loi d'unité régissant les mondes, le tout crypté au moyen d'un système numéral qui sera appelé plus tard la Kabbale. On se rappelle que Moïse avait été élevé en Égypte, recevant une éducation ou initiation digne d'un prince de sang royal.
Lors de sa fuite, pour quelle raison l'armée du pharaon le poursuivit-il avec tant d'ardeur, si ce n'est qu'il emportait peut-être avec lui des documents, un savoir d'une grande valeur, qu'il grava ensuite sur la pierre, plus pérenne que le parchemin. Ce savoir dont les Égyptiens étaient les héritiers et qui leur avait permis de mettre en place leur civilisation brillante et d'édifier les plus éblouissants monuments. Tout laisse à penser qu'il existait un cercle secret au sein même de l'ordre. Un groupe intérieur qui pouvait demeurer occulte parce que les Templiers formaient essentiellement une école de mystère. Ils fonctionnaient donc avec une hiérarchie reposant sur l'initiation et le secret. Celui-ci semble avoir eu pour objectif de favoriser l'étude de sujets ésotériques et religieux. S'ils cultivaient le secret, c'est peut-être que ses membres abordaient les arcanes des traditions juives et islamiques qu'au cours de leur périple ils vinrent à adopter, ou qu'ils détenaient des informations cruciales qui remettaient en question les fondements de l'Église catholique. À l'époque où l'ordre du Temple prend son essor, le Graal entre dans la littérature arthurienne, au pays de Galles puis en France, avec le conte du Graal ou le roman de Perceval de Chrétien de Troyes. L'écrivain allemand Wolfram von Eschenbach, vers 1200, intègre le Graal dans son roman Parzival, faisant des chevaliers du Temple les gardiens du Saint Graal, de son château et de sa famille. Il parle d'eux en ces termes, vaillants chevaliers qui ont leur demeure au château de Montsalvage où l'on garde le Graal. Les significations du Graal peuvent être nombreuses et j'ai réalisé une vidéo à ce sujet à laquelle je vous renvoie pour plus d'informations. Le Saint Graal est intimement lié à Jésus, qu'il ait été la coupe utilisée durant la dernière scène ou le vase dans lequel Joseph d'Arimathie recueillit le sang du crucifié, cela ramenant à l'expression symbolique de la descendance du Christ. Les romans du Graal, en tout cas, font leur émergence plus d'un millénaire après les dates admises pour la vie de Jésus. Entre-temps, rien, pas un texte, pas une allusion. Si le Graal avait été si intimement associé à Jésus, pourquoi n'en avait-on pas parlé pendant plus d'un millier d'années ? Comment peut-on expliquer qu'il ait soudain refait surface, précisément en pleine époque des croisades, au moment même où le royaume franc de Jérusalem était à son apogée et l'ordre du Temple au summum de son pouvoir ? En France, le premier roman du Graal est l'œuvre de Chrétien de Troyes, sur commande de Marie de Champagne. Troyes et sa cour des comtes de Champagne, on y revient encore et toujours. C'est ensuite Robert de Boron qui définira de manière précise le Graal en tant que vase de la dernière scène, rempli par Joseph d'Arimathie avec le sang de Jésus sur la croix. Après la crucifixion, les membres de la famille de Joseph en devinrent les gardiens, transportant l'objet symbolique en Angleterre. Selon certains spécialistes de la littérature médiévale, Perlesvaux, roman anonyme du XIIIe siècle, serait l'œuvre d'un templier. Il y est question de cette notion de lignée, car Perceval y est décrit comme le descendant de Joseph d'Arimathie, et les gardiens portent un vêtement blanc orné d'une croix rouge. Dans la tradition arthurienne, la lignée davidienne était représentée par les rois pêcheurs, de la famille du Graal. Il est question d'une lignée du Graal, de la famille du Graal, de la descendance de Jésus, car le Graal, coupe symbolique, concrétise la matrice féminine porteuse de la descendance sacrée. L'allégorie du Graal symbolise donc la lignée secrète et ceux qui la composent. On ne peut pas ignorer le rôle primordial que joua probablement Bernard de Clairvaux dans la fondation de l'ordre, avant la date officielle de sa création. Saint Bernard, ce moine cistercien, neveu du templier André de Montbard, intellectuel, décrit comme violent et grossier, qui vénérait une Marie dont l'identité réelle nous est suggérée par sa passion des Vierges Noires et le fait qu'il consacra près de 90 sermons au Cantique des Cantiques, et plus de prêches encore dans lesquels la bien-aimée est clairement identifiée à Marie de Béthanie, qui en ce temps-là était confondue avec Marie-Madeleine. Les cathares du sud de la France, dont les liens avec les Templiers sont également démontrés, étaient détenteurs de secrets, considérés comme hérétiques concernant la relation de Marie-Madeleine et Jésus. Curieux écho aux évangiles gnostiques qui décrivent Marie-Madeleine comme la femme que Jésus embrassait souvent sur la bouche et qu'il aimait plus que tout autre. Effrayée par l'ampleur de l'impact de ces idées sur la population locale, l'Église catholique organisa la croisade dite des Albigeois dans le but d'exterminer les pacifistes cathares qui périrent par milliers sur des bûchers, anticipant d'un siècle le sort réservé aux Templiers. Le Saint Graal pourrait se comprendre par sang royal, la lignée cachée de Jésus-Christ, descendant des rois d'Israël, dont l'épouse, Marie-Madeleine, gagna clandestinement le sud de la France après la crucifixion.
Monarque de droit divin, la lignée du Christ fut élevée sur le trône de la France en la personne des rois mérovingiens, dont l'un des derniers représentants, Dagobert II, fut assassiné en 679 à Stenay. On dit que la lignée ne s'éteint pas à ce moment-là, car son fils, Sigisbert, échappa aux guet-apens et fut conduit en secret dans la région de Rennes-le-Château, où il fit souche et vécut à l'abri de la menace de la suppression de sa lignée. Car le dévoilement de ce secret aurait le pouvoir de réduire à néant les fondements de la chrétienté. Un Jésus humain et non miraculeux, ayant commis le péché de chair et ayant engendré une descendance, ce sont les bases mensongères mises en place au Concile de Nicée qui voleraient en éclats, et l'une des plus grosses supercheries de tous les temps qui serait anéantie. Les Templiers se montraient avides de connaissances. Aux Arabes, ils empruntèrent les principes de la géométrie sacrée, aux Cathares, l'élément gnostique qui enrichit leur conception religieuse, déjà largement hétérodoxe. Comment ne pas se laisser aller à imaginer que les Templiers étaient les gardiens de la lignée du sang sacré, ou même faisaient eux-mêmes partie de cette descendance en lisant ces mots tirés du Parsifal de Wolfram von Eschenbach. On aperçut sur le Graal une inscription. Elle disait « Si jamais Dieu désigne l'un des Templiers pour devenir le roi d'un peuple étranger, ce chevalier devra exiger qu'on ne cherche à connaître ni son nom ni sa famille. Dès qu'une question lui aura été posée, il s'éloignera sans retour. » En moins d'un siècle, les Templiers vont accumuler une puissance qui s'étendait sur deux continents, qu'aucun ordre religieux après eux n'atteindra. Cette puissance naît en Asie, puis se propage en Europe. Du terrain militaire, elle passe bientôt sur le double terrain politique et financier. À leur apogée en Europe, les Templiers possédaient des commanderies dans presque tous les hauts lieux de la civilisation. La richesse du temple résultait en partie de sa règle. Tout nouveau membre devait céder ses biens à l'ordre, qui s'enrichit parallèlement grâce aux donations massives de terres et d'argent de nombreux rois et nobles. Vers 1270, les Templiers possédaient en France environ un millier de commanderies issues de ces dons. En 1307, ils en possédaient le double. Leurs coffres furent bientôt pleins, d'autant qu'ils avaient développé une habileté financière remarquable. Ils devinrent les premiers banquiers internationaux. Malgré leurs efforts, la Terre Sainte tomba peu à peu aux mains des Sarrasins. En 1291, la ville d'Acre, ultime territoire chrétien, était à son tour perdue. Les Templiers se replièrent en Europe pour organiser une éventuelle reconquête. Malheureusement, les rois qui auraient pu la financer s'étaient désintéressés de ce genre de campagne. C'est alors que le déclin s'amorça. Le roi Philippe le Bel orchestra la destruction du temple. Des ordres secrets furent transmis aux émissaires du roi, et le 13 octobre 1307, les Templiers, cernés de toutes parts, furent arrêtés dans leur commanderie. Sous la torture, les Templiers avouèrent s'adonner à des orgies homosexuelles, idolâtrer une entité du nom de Baphomet ou d'une tête coupée, et piétiner et cracher sur la croix à l'occasion d'un rituel initiatique. Les Templiers vénéraient Jean-Baptiste, c'est une certitude, tout comme Jean-Baptiste est encore aujourd'hui l'un des patrons de la maçonnerie. Ils voyaient en lui le maître de Jésus et le véritable Messie, résurgence gnostique ou cathare. Certains ont suggéré que la tête coupée qu'ils vénéraient était en fait celle du Baptiste, dotée de nombreuses vertus et pouvoirs magiques, récupérés pendant leur séjour moyen-oriental. Certaines légendes racontent que la tête, bien que séparée du corps, était toujours en vie, qu'elle répondait aux questions, qu'elle conseillait, que tel un talisman, elle apportait chance et richesse à ses possesseurs. Une partie du symbolisme templier se rapporte à Jean, notamment l'agneau de Dieu, qui pour les chrétiens se réfère à Jésus, mais en bien des lieux, ce symbole désigne Jean-Baptiste. À Rennes-le-Château par exemple, cette statue qui fait face à l'entrée représente le baptême du Christ. On y voit cependant Jean-Baptiste porter son attribut, qui est étrangement un bâton en forme de croix, orné de la banderole « Je suis l'agneau de Dieu ». Quant à la position des deux hommes, le baptême n'est-il pas le prétexte pour représenter Jésus agenouillé devant Jean, comme en signe de soumission face au véritable Messie? Dans l'art, on pourrait s'étonner que Léonard de Vinci, sur un total de très peu d'œuvres, ait réalisé deux portraits de Jean-Baptiste seul, qui est en réalité un personnage secondaire du Nouveau Testament. Étonnons-nous également en admirant ce portrait de François Ier, réalisé par le peintre Clouet, qui a représenté le monarque de manière très inhabituelle en Jean-Baptiste, pointant du doigt l'agneau de Dieu. S'agit-il encore ici de cette histoire de lignée sacrée? Le roi Philippe le Bel et le pape Clément V n'avaient-ils comme seule raison de faire réduire à néant l'ordre que son insolente richesse et la crainte du pouvoir qu'il représentait? Ou redoutait-il également les dangereux secrets qu'il gardait et dont la divulgation aurait été catastrophique pour le système organisationnel et temporel de l'Europe?
Les Templiers n'ont pas disparu avec la mort du 23e grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, le 18 mars 1314. Une organisation aussi complexe que l'ordre du Temple ne peut avoir disparu purement et simplement. Les chevaliers vivant en Europe n'ont pas tous été arrêtés en ce tragique vendredi 13, et l'éradication de l'ordre ne concerne que la France, d'où certains chevaliers ont néanmoins réussi à fuir. Dans d'autres pays, la persécution et la destruction du Temple n'ont été que partielles. En Angleterre, par exemple, Édouard II a refusé de croire les Templiers coupables des crimes dont on les accusait. En Aragon et en Castille, les archevêques qui présidaient le procès des Templiers les ont déclarés innocents. Même en France, peu furent en définitive exécutés, la plupart étant libérés après avoir abjuré. Ils reconstituèrent bientôt l'ordre dans d'autres pays, protégeant les secrets sous un autre nom, ou rejoignirent des ordres existants ou fondèrent de nouvelles organisations secrètes, principalement en Écosse et au Portugal. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également soutenir ma chaîne sur Tipeee, ce qui contribuera à produire de nouvelles vidéos. Le lien est dans la description.